Et vous tombez, on ne peut mieux, puisque Johnny Hallyday est à un mètre de moi maintenant, vous le voyez, il signe les autographes, il a pris le temps de rencontrer tous ses fans, venus très nombreux ici aux abords du tapis rouge. Johnny, on va essayer de l'approcher. Johnny, bonsoir. Bonsoir, vous êtes ici pour un hommage qui vous est rendu ici par le Festival du film policier. Vous avez déclaré toujours adorer le cinéma et aujourd'hui, on vous prend au sérieux, c'est ce que vous avez déclaré. C'est une joie, j'imagine, d'être ici pour recevoir cet hommage. Déjà, c'est un honneur d'être accueilli par le Festival de Beaune. J'aime le cinéma plus que tout au monde et je suis très fier de représenter le cinéma français, en tout cas ici à Beaune. Vous venez présenter un film en ouverture, Salaud on t'aime, de Claude Lelouch qui est à côté de vous. Oui, le film de Claude Lelouch, qui est, voilà, j'espère que les gens vont l'aimer. En tout cas, jusqu'à maintenant, les gens ont l'air de l'aimer, donc c'est formidable. Vous êtes surpris de l'accueil de ces fans qui vous suivent partout, en tant que chanteur, en tant qu'acteur ici? Ça prouve qu'ils m'aiment autant que je les aime. Merci beaucoup, merci Johnny, et puis bonne séance. Voilà, donc Johnny Hallyday est très disponible ici pour le public très nombreux qui est venu aux abords du tapis rouge. Il y aura 14 films en compétition dans deux groupes différents, celui pour le Grand Prix et celui pour la compétition 109. Et ce soir, évidemment, le film Salaud on t'aime avec Johnny Hallyday de Claude Lelouch est projeté hors compétition en ouverture. On attend, voilà, Claude Lelouch qui va nous dire un petit mot. Claude, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bah, écoutez, on est ravis d'être là et on est fou de joie de voir que le film fait un énorme succès en France. Toute la France enfin découvre le grand acteur qu'est Johnny Hallyday. Ça me fait vachement plaisir. Là, on le voit, il est très disponible toujours. Il l'a été pour vous sur le tournage. C'était une merveille, une merveille. On a vraiment travaillé en osmose. Enfin, c'était un film qui nous ressemblait à tous les deux. Et je crois qu'on a tout fait pour que le public ait envie de rire et de pleurer à toutes ces aventures dans le film. Merci beaucoup et bonne soirée, bon festival, on sait qui vous tient à cœur. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette soirée d'inauguration. Je vous rappelle qu'on va en parler pendant 5 jours, Eric, dans nos journaux.